Salut, bon, je vais vous expliquer comment lier votre compte de Fisher Online pour faire des achats sur Xola. Alors, une fois que vous êtes en jeu, vous faites Escape, ensuite vous faites cliquer sur Jeu, voilà, ensuite vous cliquez sur Email, vous tapez votre adresse email, vous tapez un mot de passe, celui que vous voulez, vous faites cliquer Lier compte, ok? Alors, quand vous viendrez vous connecter en jeu la fois d'après, quand vous viendrez vous connecter la fois du jeu, attends, que je dise pas de bêtises, il faut. Ah merde, je suis obligé de revenir ici. Attends, je dois relancer le jeu si je dis pas de conneries. Voilà, jouer. Hop. Ça redémarre. Alors, quand vous relancez le jeu, vous pouvez le relancer via Steam, comme j'ai fait ici. Le login Steam, il est là. Et vous cliquez ici sur le petit bonhomme bleu. La même chose si vous êtes sur VK Play. Vous venez ici à. Vous allez arriver ici à l'écran, mais ici, il y aura écrit. Je sais plus lequel, enfin le logo de VK Play. Vous cliquez ici sur le truc, vous mettez l'adresse email que vous avez validé juste avant ça, et le mot de passe. Si vous faites souvenir, ben, il gardera. Vous cliquez sur jouer, et voilà. Là, c'est lié. Maintenant, comment faire les achats? J'espère que la vidéo va tenir assez longtemps. Comment faire les achats? Pap, pap, pap. Il faut d'abord aller dans le jeu. Voilà, on y est. Donc là, je vais dans la boutique du jeu, boutique. Je clique n'importe quoi. Hein, voilà, donc il faut acheter des fish cons, comme ils appellent ça. Donc disons que voilà, je vais acheter ça. Je clique sur acheter. Ah oh, merde, que je suis con. Ben oui, oh, je suis biais. Non, moi j'en avais déjà moi. Donc non, je dois cliquer ici sur Don't Shop. Voilà. Hop, voilà. Je clique sur acheter. C'est bien, j'ai un vide de 7 jours. Quand je clique comme ça, ben voilà, j'ai cette page-ci qui s'ouvre. Si vous n'avez pas lié votre compte, vous allez avoir un écran tout gris et tout noir avec un rond orange et un point d'exclamation. Et après, voilà, vous payez avec. Il y a plusieurs moyens de paiement. Il y a Bancontact, PayPal, carte bleue. Là, ici, il y a encore plein d'autres modes de paiement. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, moi, ici, je vais faire Bancontact. Donc ici, animer pour recevoir le truc, payer maintenant. Et alors ici, ben, je vais avoir plusieurs possibilités, payer avec ma carte de banque ou scanner le code. Enfin, il y a plusieurs modes de paiement, quoi. Voilà. C'est tout. Allez, salut les gars. On ferme la boutique.